Hey, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ici Liam, c'est Jurassic. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Arc Mobile. Ouais. Comme vous l'avez vu sur le titre, ou pas, aujourd'hui on va aller tamer le Spinosaur. Je l'attendais ce timing depuis très longtemps et j'ai hâte de le faire. Mais pour le tamer, j'ai fait quelques constructions, comme au niveau des constructions comme ça, pour construire un piège. Et ouais. Là où je vais chercher mon spinosaure, c'est un peu en haut. Au niveau de la carte temps des livres des carnivores, je vais aller là-bas pour aller le chercher. J'en ai vu là-bas niveau 15 et je le veux. Oui, d'accord, on y va. Le dos, il m'attendra là. Ah ouais, je suis lourd. Tu veux bien que tu aies quelques trucs? Ça. Merci. Bon, je crois que je vais faire le trajet. Train de terre quand t'en arrives en haut. Les gars, je reprends la vidéo quand je suis presque arrivé. Ok les amis, à tout à l'heure. Re-salut les amis, je suis déjà arrivé. C'est juste ici. On va voir s'il est toujours là. J'imagine qu'il a dû... qu'il a peur de bouger. On attend que ça charge, voilà. Yeah. C'est lui, j'espère. Oh my god! Ouais. Bon, allez. On va d'abord aller sur le des carnivores. Et je vais d'abord faire un truc là-bas. Celui qui t'attaque, tu le défonces. Hein. Bon. Et d'abord, il faut que je vois où est le Spino. Charge là ou pas? Bref, je vais le faire là. En espérant qu'il va pas venir là-bas pour le défoncer. Ça va charger là ou vraiment ou pas? Ouais. Non, j'ai pas. C'est complètement bugué ici là. Voilà, n'importe quoi. Thank you.
j'ai oublié la cinquième porte. Oh, ça passe. Attendez. Ah, bah, on verra, les gars. Hé, boy. Je vais essayer là-dedans. Ok. Est-ce que si avant je pourrais aller enfermer? Now that's a lot of damage! Je vais juste voir s'il va pas réussir pour la passer de l'autre côté. Thousand years later. Allez, on commence la chasse. Yeah.
regard en attendant de ce qu'il nous arrive. Il va démonter ses portes pour qu'il puisse sortir. Waouh! On voit à quelle beauté s'il va. Top, comme ça qu'on va voir. Voilà. Il est vachement aimable. C'est tellement beau, hein? I love these flames. I got this fire inside my head. Gonna set fire to the sky. Flames. I got this fire inside my head. Gonna set fire to the sky. Bon bah les gars, je crois que je vais rentrer à la base et je vous retrouve là-bas. Et je vous dis à tout à l'heure. Sur l'île des carnivores. Attends, il faut que je vois. L'île des carnivores. Tout à l'heure. C'est bon les gars. Je suis enfin rentré avec les Spino. Ah, le voyage a été un peu long. Mais bon, je suis arrivé. Regardez, comment il est. Attendez. Maintenant, on pourra l'admirer. Je vais l'appeler. Exactement, je vais déjà réfléchir. Voilà. Et comme vous l'avez deviné, on voit ses piqueurs en haut. Il capture aussi une femelle. Madame Red Espina. Oh, ils sont beaux, ils sont beaux. Ta 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 ta. Ah les gars, j'espère que vous avez aimé cette partie de chasse, piège, timing, etc. etc. Et je souhaite tout le monde bon courage à ceux qui vont entamer les Spinoza. En tout cas, je vous conseille que c'est une dinosaure très difficile à tamer parce qu'il bouge très très vite, et il est rapide, il fait très très mal comme vous l'avez vu. Mais bon, et moi j'ai fait tout mon maximum pour les capturer juste pour vous montrer juste une petite simplicité. Ah. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Avec Liam Jurassic. Et bon courage à vous les amis. Ciao.